Bonjour à tous. Alors, quand on souhaite envoyer des messages d'alerte par email en utilisant un compte Gmail, donc si la caméra vous envoie aucun email d'alerte alors que vous avez bien paramétré votre compte, le problème peut venir de deux choses. Donc déjà, il faut savoir que par défaut, Google bloque toutes les connexions d'applications externes à votre compte Gmail. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous avez activé la double sécurité, soit vous n'avez pas activé la double sécurité. Alors, si dans votre compte Gmail, vous n'avez pas activé la double sécurité, donc chose que je vous déconseille fortement, hein. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir ma vidéo Comment activer et pourquoi activer la double sécurité sur Gmail. Vous allez dans votre compte Gmail, vous cliquez là sur votre email et vous faites Mon compte. Ensuite, à gauche, ici, vous faites Application et site concerné. Voilà. Et ici, finalement, vous avez un paramètre à activer, Autoriser les applications moins sécurisées. Et donc là, vous l'activez. Et donc maintenant, essayez. Par contre, si vous avez activé la double sécurité, il va falloir autoriser votre caméra à pouvoir se connecter à votre compte mail. Donc pour cela, donc ici vous faites se connecter à Google. Ici, vous faites mot de passe d'application. Donc ensuite, vous faites sélectionner une application. Donc là, vous mettez autre nom, hein, vous tapez ce que vous voulez. Donc vous pouvez taper le nom de votre caméra, ça sera plus facile à l'identifier. Après, vous faites générer. Et là, Gmail vous donne un mot de passe. Et c'est ce mot de passe-là qu'il faudra utiliser dans votre webcam pour paramétrer votre compte mail. Il ne faut pas utiliser votre mot de passe principal. C'est ce mot de passe-là. Et après, vous faites OK. Donc ce mot de passe est unique pour une seule application. Donc si vous achetez 5 webcams Lidl, par exemple, il faudra autoriser les 5 webcams. Et maintenant, suite à ça, votre webcam va pouvoir vous envoyer des alertes mail. Voilà, je vous remercie. À très bientôt.